ce soir, je vous lance la balle. Je vous invite vraiment à leur faire vivre un excellent moment d'émotion et des applaudir, des encourager, de rire. Et vous allez faire partie de leurs souvenirs. Donc, je vous souhaite un bon spectacle et à vous de jouer maintenant. Bonjour et bienvenue à l'émission Culture Active. Nous nous trouvons aujourd'hui au Cégep de Victoriaville pour la finale locale de Cégep en spectacle. Nous avons eu droit à une soirée extraordinaire, brodée de 13 numéros avec des artistes extraordinaires, vraiment plein de talent. On allait de l'art oratoire à la chanson, la poésie. Il y a eu des moments très, très touchants pendant la soirée. Donc, on a ici avec nous France Beaulé, qui faisait partie du jury. Oui. Bonjour France. Bonjour Anne. Alors, dis-moi, comment est-ce que c'était ta première expérience de jury, toi? Non, deuxième. Mais la première fois que je l'ai fait, c'est il y a environ, je te dirais, 3 ou 4 ans. OK, OK. Puis là, aujourd'hui, comment tu as trouvé ton expérience de jury? Moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça parce que j'ai passé une excellente soirée. Puis on est très bien encadré. On a notre feuille, on peut faire les pointages, tout est là. Ça permet de voir les choix qu'on fait plus clairement. Puis, ben, c'est sûr que c'est difficile de faire les choix à la fin parce que il y a des numéros que on aime pas mal autant qu'un autre. Puis là, il faut que tu tranches. Oui, c'est là que ça. C'est plus difficile. Mais bon. Dis-moi, est-ce qu'il y a une délibération ensuite entre les jurys? Parce qu'il y avait beaucoup de monde là, dans oui, le jury ce oui, soir. Oui, on était 13 ou 15, je pense, 15. Dans le jury. Oui, il y a une délibération, mais on avait genre 5 minutes là, mm-hmm. pour comptabiliser là, ce qu'on avait comme notes et tout ça, puis de faire nos choix et de les remettre pour qu'ils puissent aller cumuler tout ça. Ouais. Ben, merci beaucoup, France. Ben, ça me fait plaisir. Dans la catégorie « Chant musique », les derniers concurrents de la soirée vous présentent une interprétation de la chanson « Joyeux calvaire » des Cowboys fringants. Laissez-vous transporter dans l'univers de Rouge Ligne. Alors, on est en présence de William Crête, Samuel Crête et Ludovic Caméré qui ont remporté le coup de cœur du public. Comment vous sentez, les gars, d'avoir gagné ce soir le coup de cœur? Ben, moi, ça m'a surpris un peu parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens vraiment talentueux. Puis le gars juste avant nous, il avait vraiment connecté gros avec la salle. J'étais sûr qu'il allait remporter le prix coup de cœur. Fait que grosse surprise, agréablement surpris. Je suis content. On est tous contents, je crois. Ouais. Extrêmement heureux. Plus qu'heureux, même. Ça régale, ouais, ça régale. Donc, comment vous vous êtes préparé pour faire ce numéro-là? Comment vous avez fait votre choix de chanson? À fond, on s'est fait très surprendre. Là. On est arrivé ici en présentant une de nos chansons, mais là, on était au courant d'aucune règle. Ah. C'était en français, puis on avait droit à 10 minutes. Fait que nous, on pensait que c'était une seule chanson en anglais. Fait que là, on a dû se revirer, on n'avait pas tant de temps. On s'est dit, au lieu de tout switcher. À la base, on voulait faire du Francis Cabrel. Mais là, on s'est dit que c'était peut-être pas adapté à notre style. Fait que finalement, on a fait une chanson des Cowboys fringants. Ouais, ben c'est ça. J'étais arrivé avec l'idée que des tunes des Cowboys, un peu aussi hommage. Puis, fait que j'étais arrivé avec une tune qui voulait qu'il bouge quand même, avec notre style, pas genre une tune trop calme. Mm-hmm. Fait que j'étais arrivé avec Joyeux Calvaire, j'ai fait écouter, puis on a tout modifié ça, puis, nous autres. Mais en tout cas, on a pu observer une très belle musicalité, une belle cohésion dans votre groupe aussi, beaucoup de complicité. La chimie, ouais. Oui, ouais. Puis une grande présence du batteur qui est assez remarquée. L'énergie. Oui, c'est vraiment. Mais quand on aime ce qu'on fait, c'est cool, c'est bien de partager notre passion, notre énergie, notre plaisir. Ben, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été là. C'était très beau de vous voir aller, puis longue vie à Rouge Ligne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yeah, on va être là à l'intermède le 21 mars sous le nom de Red Line avec 3 de nos compositions. Manquez pas ça. Vive le rock'n'roll. Yeah. Dans la catégorie musique, cette jeune pianiste à l'âme sensible veut toucher les gens par les mélodies qu'elle interprète. Laissez-vous bercer par la douceur de cette pièce présentée par Raphaël Gagnon. On est
en présence de Raphaël Gagnon, récipiendaire du 3e prix de Cégep en spectacle 2024. Bonjour Raphaël. Bonjour. Comment tu te sens d'avoir remporté ce 3e prix-là? Je me sens vraiment bien. Évidemment, j'ai été agréablement surprise parce qu'il y avait beaucoup d'autres numéros qui étaient vraiment bons. Mais j'ai vraiment travaillé fort, fait que je suis vraiment contente du résultat. Il y avait une spécialiste du piano, une professeure de piano qui était présente dans le jury, qui disait à quel point la pièce que tu avais choisie, c'était une pièce très difficile. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu du processus de sélection de ce que tu as présenté? Bien, cette chanson-là, je l'ai vraiment adorée dès que je l'ai entendue, puis j'aimais vraiment beaucoup le compositeur. C'est sûr que je me suis dit que c'était un gros défi d'apprendre ça, mais je me suis dit, au pire, j'apprends le début, puisque je suis pas capable de jouer, je ne jouerai pas. Finalement, avec ma coach, elle est si surprenante, elle m'a vraiment mis en confiance pour que je continue à apprendre les bouts plus difficiles. Fait que finalement, je l'ai joué au complet. C'était une prestation magnifique, puis il y avait quand même quelque chose d'étonnant. Il y avait une caméra au-dessus de toi. Ouais. Est-ce que c'est ton idée d'avoir fait ça? En vrai, non. C'est les techniciens qui m'ont dit « Ah, ce serait vraiment impressionnant qu'on puisse voir tes mains, parce que c'est vraiment la technique que tu joues. » Fait que moi, évidemment, je trouvais que c'était une bonne idée. Fait qu'on est allé là-dedans. Effectivement, ça ajoutait beaucoup à ton numéro. Je te félicite pour ton 3e prix, puis on espère t'entendre encore. Merci. Dans la catégorie chant musique, cet auteur-compositeur-interprète vous présente deux chansons de son répertoire qui touchent droit au cœur. Et de fil en aiguille, sois addict à mon sourire. Et de fil en aiguille, moi j'ai peur de te voir mourir. Et de fil en aiguille, moi ta mère, je serai ton héroïne. Alors, on est en présence de Frédéric Turcotte, récipiendaire du 2e prix de Cégep en spectacle 2024. Bonjour Frédéric. Bonjour. Comment as-tu trouvé ton expérience à Cégep en spectacle cette année? Bien, j'ai trouvé qu'on avait vraiment donné des bons numéros. Tous les 13 numéros, là, c'était vraiment varié. Je trouvais qu'au niveau de la poésie aussi, là, tout le monde avait un peu... Tout le monde avait un peu sa magie dans son numéro, si je peux dire ça comme Dis-moi, ça. Dis-moi, comment tu t'es préparé à faire ton numéro? Moi, en fait, je suis en TES en ce moment pour devenir intervenant. Puis je pensais à des façons qu'on peut expliquer certaines situations dans la vie qui sont plus difficiles, qui peuvent passer autant par la musique. Parce que moi, je crois beaucoup plus aux paroles qu'aux mots, en fait. C'est pour ça. Et on a vu qu'il y avait un public très touché par ta prestation. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir ça? Ouais, ben j'ai vu aussi que le monde était très touché. Puis c'était difficile pour moi-même aussi de garder... Parce que si ça chante pas super bien qu'on pleure, là. Mais ouais, puis j'ai vraiment aimé, j'ai trouvé ça très touchant que le monde embarque un peu dans mon histoire, puis dans ma créativité, en fait. Puis je pense que le message a vraiment bien passé avec les personnes, puis c'était super. Ouais. Mais parlant de message, je trouve que tu as quand même eu des sujets très audacieux, dont la masculinité, les émotions. Ouais. Puis cette chanson-là, en fait, je voulais qu'elle soit aussi un peu plus pop, parce que. Oui, c'est un sujet qui est assez sensible, mais je voulais aussi que ça soit un sujet qui passe bien, en fait. Tu sais que c'est important de parler, puis entre autres avec l'expression « quatre chemins », qui est le nom aussi de la chanson, qu'un homme, en fait, quand ça va pas bien, ça va te le dire une fois. Mm. Ouais. C'est ça, en fait, que je voulais représenter dans la chanson, puis je pense que ça a vraiment bien passé aussi. En tout cas, je pense que tu fais de l'art qui fait œuvre utile, puis merci. C'était vraiment beau de te voir performer. Bravo pour ton 2e prix. Ben, gros merci. Dans la catégorie « art oratoire », le prochain participant est rêveur à temps plein et compteur d'étoiles à temps partiel nocturne. Il vous partage ce soir l'une de ses créations originales. Comme Pinocchio dans sa prison, je veux m'enfuir de cette prison pleine de gardiens tristes et gris. Et sous les nuages sombres et gris de ma cellule, je ferai pousser un arbre où j'irai cueillir des limes pour changer mes barreaux d'acier en flûte argentée, avec laquelle je ferai danser les rats d'égout et les enfants d'égout de cette réalité. Pour faire comme Peter Pan, je prendrai de la poussière de fée, quelques fragments d'étoiles et les souvenirs flous d'un rêve fou. Alors, on est en présence de Lucas Joannette Hamel, une trouvaille de la soirée, récipiendaire du premier prix de Cégep en spectacle, qui aura l'honneur de représenter le Cégep de Victoriaville lors de la grande finale. Alors, on est très honorés d'avoir un entretien avec cet artiste extraordinaire. Bonjour, Lucas. Bonjour. Comment te sens-tu? Je réalise pas encore, là, je flotte comme sur un nuage, là.
réaliser le premier prix, là, c'est comme une grosse opportunité, le régional, tout ça. Wow. Je suis pas encore atterri, là. Ça va prendre un moment. Est-ce que c'était la première fois que tu faisais une prestation comme ça c'était sur pas scène? C'était pas la première fois. Je l'avais fait l'année passée, deuxième place. Puis j'avais fait d'autres concours, des open mic un peu partout, à Montréal, à Victo, à Plessisville, etc. Donc, c'était pas ma première montée sur scène. Mais là, c'était la plus réussie de toutes. Wow! Puis dis-moi, c'est quoi tes inspirations pour composer tes textes qui sont vraiment très étoffés, très riches? On voit que tu as une culture d'un éventail extraordinaire, plein de références. On aimerait ça réécouter tes textes. Comment tu composes tes textes? Souvent, j'écris des notes, des idées, des mots qui sonnent bien ensemble, des rimes, peu importe. Je les écris dans un carnet, sur des papiers, des factures, peu importe, j'écris ça. Puis quand j'en vois plein qui font du sens ensemble, je les rassemble, puis ça devient un texte que je retravaille, que je vais voir comment est-ce que je peux l'appliquer sur scène. Dans mes inspirations, je suis un très, très grand fan de Sol, Marc Favreau. J'ai beaucoup d'inspiration de lui pour les jeux de mots, entre autres. Je l'aime particulièrement. Et je suis une grande fan de Mathieu Lippé. Puis tu m'as vraiment fait un petit peu penser à lui tout ouais. en ayant ta propre couleur. Puis ça, je veux vraiment te féliciter. Merci. Ben, ça vaut pour beaucoup. Il y a un travail de développement là, artistique du style de l'artiste. Ouais. Dis-moi, là, c'est quoi la suite pour toi? Est-ce que... Je sais pas. Je m'en vais à Sorel le 31 mars. Finale régionale. J'ai espoir déjà de montrer à des gens d'une autre communauté, de représenter Victoriaville, représenter les arts oratoires, montrer un peu ce que je fais, mon style, etc. C'est une super belle opportunité. Puis je vais voir ce que ça va donner. Je ne sais pas où est-ce que je m'en vais avec ça, mais je vais quelque part, c'est sûr. Mais on a bien hâte de voir la suite. Merci beaucoup, Lucas. Et merci à vous.